La tempête Alex, qui a touché notre département le 2 octobre 2020, a également affecté le hameau de Molière. Outre l'accès depuis le Boréon qui prendra du temps à être rétabli, le hameau lui-même a subi quelques dégâts. En 2012, nous avions rejoint ce hameau pour en apprendre un peu plus sur son histoire. Je vous propose de revivre ce moment. Monsieur le juge, alors, depuis quand existe Molière ? Oh, alors ça, je ne pourrais pas vous dire, parce que moi, mon arrière-grand-père était déjà Molière, mais bon, pour vous dire quand ça existe, ça... le village, il n'était pas ici à l'époque, que Molière. Il était un peu plus haut, il y a encore des ruines, d'ailleurs, un peu plus haut, là. Et après, bon, la légende dit que c'était trois voleurs qui étaient partis de Berre-des-Alpes et qu'ils étaient en prison à l'époque, et ils étaient venus se réfugier ici, en Italie, ce qui était en Italie. Et petit à petit, bon, ben, ils ont commencé à se faire des maisons, à cultiver un peu, à couper des bois pour se faire des restanques pour cultiver. Mais c'était un peu plus haut, là, un peu plus haut. Et après, ils sont descendus ici. Et Molière, le nom de Molière, il vient de mouiller. Parce qu'ici, il y a beaucoup d'eau. Partout, il y a des petits ballons d'eau. Ouais, il y a des ruisseaux. Et il y a des ruisseaux partout, il y a de l'eau. Voilà. À la valeur de Molière, c'est ça, il y a beaucoup d'eau. Molière a été construit au début du XIIe siècle. Et François Ier, roi de France, passa par ce village quand il se rendit en Italie pour y déroyer. Et Molière, j'ai remarqué que ça s'écrit de deux façons différentes. Non, Molière... Avec S ou sans S? Oui, non... Il y a une erreur quelque part? Avec l'S, avec deux L et l'S. Ouais, ouais. Voilà. Ça, c'est l'origine de Molière. Maintenant, bon, il y en a qui se sont trompés après, et ils ont voulu enlever le S, ils ont enlevé le L aussi, mais autrement, c'est Molière avec deux L et un S à la fin. D'accord. Ça, l'origine d'Italie, c'était comme ça, hein. Molière S avec S. Ouais. Oui, c'est ça, c'est sûr. Après, comment ça s'est passé? Comment ça se passait la vie ici? Ben, la vie s'est passée un peu comme partout ailleurs. Hein. Il n'y a pas trop de secrets. Ils vivaient de l'agriculture et de l'élevage qu'ils avaient. Et l'exploitation des forêts, du bois aussi, hein, quand, l'hiver, quand ils n'avaient pas trop à faire. Mais au printemps et l'été, c'est surtout les cultures. Alors, ils avaient des cultures ici, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Ils avaient des cultures ici à Molière. Et pratiquement tous les Molérois, ils avaient aussi des propriétés un peu plus bas, dans le vallon de Molière, qui s'appelle le quartier de la Liume, et Aspras, et même les Dutch, qui est un peu plus bas, ce sont des petits hameaux. Et là, ils avaient des terrains qui étaient un peu plus en avance, qui un peu plus précoces qu'ici. Alors, ils semaient les légumes un peu plus tôt en bas, pour en avoir les primeurs, si vous voulez. Ouais. Et un peu plus tard, alors, c'était ici, mais le grain, quoi, hein, tout ce qui est... Et alors, ils semaient le maximum de grains dans la saison. Et l'automne, bien sûr, ils avaient le moulin et le four, ils moulinaient tous ces grains qu'ils avaient pour garder, pour faire le pain, pour vivre l'année, quoi. Hein. Et l'hiver, ils soignaient les vaches, pas grand-chose d'autre, hein. Ils faisaient un peu du bois, les enfants et tout. Mmh. Et ici, ce qui se passait, c'est qu'ils avaient tous des grosses familles, hein. Ils étaient tous des familles où ils étaient 7 ou 8 personnes, 7 ou 8 enfants, je veux dire. Et alors, bon, les un peu plus jeunes, ils les gardaient à la maison, et les un peu plus âgés, ils les envoyaient déjà chez des cousins, chez des frères ou des neveux ou des tantes qu'ils avaient déjà vers Grasse, vers Vence, vers Villeneuve aussi, il y en a pas mal. Et alors, ils allaient déjà travailler l'hiver là-bas parce qu'ils n'en faisaient rien ici de 7 ou 8 enfants. Quand il y en avait deux ici, pour soigner un peu les bêtes dans la journée, autrement le restant, ils les envoyaient travailler en bas. Et petit à petit, alors en bas, quand ils étaient en bas, à l'époque, ils vivaient beaucoup d'agriculture, alors... Quand il y avait une ferme qui se lâchait par en bas, quelqu'un qui la laissait, hop, vite, vite, ils appelaient les parents d'ici, descendez parce qu'on a une ferme ici qui s'est lâchée, si vous voulez venir ici, c'est comme ça que l'exode s'est créé, quoi. Ouais, voilà. D'accord. Ouais. Ouais, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Ouais. Et avant, il y avait l'électricité ici. Ah oui, quand il y avait la turbine, il y avait une turbine. Alors, tout marchait par l'eau. Il y avait le canal qui passait là, il allait sur la fontaine, il alimentait la fontaine pour faire boire les vaches. La même eau descendait un peu plus bas, il y avait le moulin à grains, il faisait tourner le moulin à grains. Et un peu plus bas encore, il y avait la turbine, et à côté de la turbine, il y avait la scierie, où ils faisaient le bois. Ils coupaient le bois, parce qu'ici, c'était la richesse, c'était le bois, un peu. Mmh. Alors, l'hiver, ils faisaient rien de scierie, ils coupaient, ils faisaient des planches pour les maisons. Parce qu'ici, tous les planchers, c'était des planchers en bois. Les toitures aussi, c'était des bardages, hein. Ouais. Tout fait comme ça. Mmh. Alors, du bois, c'est pas ce qui manquait ici, mais il fallait le faire aussi. Hein. Voilà.
il n'y avait pas de voie de passage par là. Alors, l'accès principal, c'était celui de Pierre Blanche, qui monte de Saint-Sauveur, de l'usine électrique en bas de Palabre. Pont-de-Paul. Mm-hmm. Pont-de-Paul, oui. Et il montait à pied par là. Bien sûr, avec la mule, parce que si je vous dis ici, tout le monde avait une mule. Hein. Ouais. C'est comme nous en bas, dans les voitures. Ici, si vous n'avez pas de mule, ils ne pouvaient pas vivre. Hein. Ça servait pour labourer, ça servait pour faire des charges quand ils descendaient chercher des provisions. Quand ils allaient, parce qu'ils étaient italiens, mais ils étaient plus français qu'italiens, parce qu'ils allaient tous ravitailler à Saint-Sauveur. C'était le plus près. Ouais. Et le moins dangereux, parce que, bon, il y avait aussi des avalanches comme il y en a maintenant, mais bon, ils savaient les heures qu'il fallait passer. Il n'y avait pas des avalanches. Et en Italie, c'était le double plus loin. Et puis, il fallait franchir le col de la Mercière, le col du Drousse ou de la Lombarde pour aller sur Vinadio, pour aller à Vadière, il passe par le Drousse ou le col de Cerise, mais c'était la neige encore bien plus qu'ici. Dans ce cas-là, par là, c'était l'accès le plus facile, c'était ici. Hmm. Alors, ils ont tous ravitaillé en France. Ouais. Il y avait une douane quelque part? Il y avait une douane des douaniers? Ah oui, il y avait la douane au Pont-de-Paul. Au Pont-de-Paul, il y avait la douane. Ah oui, ça, ils avaient la douane, ils étaient contrôlés, mais bon. Ils achetaient à manger, hein, ils n'achetaient pas. Ils achetaient à manger. Ils allaient acheter du tabac, du café, du sucre, des machines qui ne pouvaient pas se fabriquer. Ouais, ouais. Parce qu'autrement, tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils pouvaient produire, ils le gardaient ici, ils n'allaient pas jeter. Oui, bien hein. sûr. Alors, voilà. C'est ça, hein. Ouais. Et on parlait italien ou français à Molière, alors? Ah, ici, on parlait un patois de Molière, qui était mélangé un peu avec du piémontais, un peu du patois de la Vésubie. Hein. Mmh. Et voilà, c'est un patois de Molière. Ouais. Bien sûr, quand ils allaient en Italie, ils parlaient italien. Ouais. Mais quand ils allaient en France, parce que dans toutes les vallées aussi, là, que ce soit la vallée de la Vésubie ou de la Tinée, ils parlaient patois aussi. Hein. Alors, bon, ils parlaient français un peu, mais le plus c'était les patois. Hein. L'angle des dialectes de Gavotte, un peu quoi, c'est un peu mmh. mélangé. Alors, et voilà, ça débrouillait comme ça. Hein. Mmh. Les gens qui faisaient les études, les faisaient sur Molière? Ah, ici, il y avait l'école, hein. Il y avait l'école, bien sûr. Il y avait l'école, le curé qui faisait, c'était le curé qui faisait l'école. Et il faisait les deux, quoi. Après, ils avaient la caserne, là, où il y avait les carabiniers, à l'époque, il y avait les fascistes aussi, tout ça, il y avait même les prisons, là, hein, tout. Ils étaient équipés. Il y avait une prison? Oh, oui, il y avait les prisons, ils sont encore, vous pouvez encore les voir. Ils sont ah, oui? dessous la caserne, vous pouvez les voir encore. Et bon, mais bien sûr, ils vivaient sous le régime italien, hein, ça c'était. Mais l'école, ils allaient à l'école là. Moi, mes grands-parents, mes parents aussi, ils sont allés à l'école ici. Et c'était l'instituteur, c'était le curé. Le curé, il faisait des fonctions d'instituteur. Ouais. Ouais. On me disait qu'il y avait deux restaurants dans le village. Oui, oui, il y en avait un au-dessus du village là, et un au bout du village de l'autre côté. Deux restaurants. Alors, celui de mes parents, ils avaient la grande licence. Hein. Et là, c'était une licence simplement pour donner à boire, c'est notre là. Mais bon. Et, alors, c'était. J'étais éveillé aussi hein, le soir, hein, parce que bon, dans la journée, il travaillait, mais le soir, il venait jouer aux cartes. Hein, et ça rencontrait toujours des gens du village, bien sûr. Mmh. Parce que alors là, au début du siècle, bien sûr, au siècle 1900, là, ils étaient aux alentours de. Ils sont arrivés à être jusqu'à 220 personnes ici. Hein. Oui, bon, alors. 220 habitants. Oui, habitants, hein, ils étaient arrivés jusqu'à 220. Avant l'exode, après, ça a été. Et alors le soir, c'était des parties de cartes, c'était l'amour aussi, surtout l'amour. Ils jouaient beaucoup à l'amour aussi. Et jusqu'à 2-3 heures du matin, hein, ça se passait comme ça. Ils chantaient aussi, hein, comme on a fait là. Mmh. Qu'est-ce qu'on cultivait à Molière? Pardon? Qu'est-ce qu'on cultivait à Molière? On cultivait de toutes sortes de graines qui pouvaient faire profit pour garder l'hiver, pour faire du pain, pour faire les petits les pois chiches, les lentilles, comme ils faisaient par en bas dans les autres pays. Hein, pour eux qui pouvaient semer n'importe quoi, hein, pour pouvoir faire des graines, pour pouvoir s'alimenter pour l'hiver, pour ils faisaient aussi des betteraves pour les bêtes hein, aussi, à aller dehors, pour les manger dans les prairies, quoi, et dans la montagne, hein, parce qu'ils allaient. Et maintenant, vous voyez toutes les stanques là qui sont démolies déjà là, mais là, il n'était pas question de garder les vaches ici ou les moutons. Hein. C'était loin, loin, loin dans la montagne, hein, où ils marchaient 1h30, 2h pour les accompagner, parce qu'ici, c'était pour cultiver. Ouais, ouais. C'était pas question qu'ils viennent mettre les bêtes là. Hein. Mmh. Oui, on voit encore les planches. Oui, oh, bien sûr, vous voyez encore les planches. Ouais, ouais, c'est ça. Hein. Pendant la guerre, comment ça se passait? Alors, est-ce que ça a été difficile? Eh bien, pendant la guerre, ça se passait comme ça se passait ailleurs. Hein. Je vous dis, c'était toujours pareil. Hein. Ils avaient. C'est-à-dire que vous étiez quand même déjà sur le régime italien. Ah, ils étaient encore italiens pendant voilà, la guerre. Ouais. Oh, ils sont venus en français en 1947 ici. Hein. Ouais, ouais. Oui.
Alors bon, pendant la guerre, il s'est passé qu'ils ont brûlé le village, ça vous avez entendu parler. Oui, bien sûr. Parce qu'on parle beaucoup d'orador sur Glane. Bon, c'est vrai que là-bas, ils ont tué des gens. Ici, ils ont tué personne. Mais ils ont incendié complètement le village. Hein. Ils ont monté une troupe d'Allemands, donc ils ont monté de pierre blanche. Et le commandant qui était de l'époque, je sais, oh, ça, j'ignore, mais il devait penser qu'on avait des maquisards ici. Et ils ont commencé. Et puis alors, la facilité, ça a été que toutes les maisons de Molière, comme vous les voyez encore maintenant, maintenant, c'est plus pareil. Mais ils avaient donc, je vous dis, au-dessous, ils avaient les vaches ou les moutons. Au milieu, ils vivaient eux, et dessus, c'était un granger de foin. Mais que ce soit les planchers ou que ce soit les greniers, c'était tout en bois, tout du bois. Alors, quand ils ont allumé une maison, rien de temps, une elle allumait l'autre, l'autre allumait l'autre, le village a été incendié complètement. Ils se sont retrouvés encore, il restait encore 7 ou 8 familles. Et alors, bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y en avait une seule qui n'avait pas brûlé, c'était la caserne là-bas. La caserne n'avait pas brûlé parce que dessus, il y avait des tôles déjà, à l'époque. Alors, cela n'a pas brûlé, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont pris une pièce chacun dans la caserne, parce qu'après, les Italiens étaient déjà partis. Et ils se sont réfugiés dans une pièce, ils avaient une pièce par famille, hein, dans cette caserne là-bas. Ils se sont réfugiés comme ça. En attendant que, petit à petit, ils se reconstruisent les quelques maisons qui n'étaient pas trop endommagées encore, qu'ils avaient que la toiture à faire, ou bon, ou le plancher, ou bon. Et voilà, hein, ils se sont sauvés comme ça. Puis en plus, alors là, déjà, c'était déjà reparti en exode avant que ça brûle. Hein. Mais après, alors, après, ça a été la débandade, hein, parce qu'après, alors, bien entendu, tous ces gens-là qui étaient là, pratiquement tous, ils avaient déjà des frères qui étaient en bas, ou des oncles, ou des... Alors, quand ils ont vu le malheur qui est arrivé ici, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se les ont rappelés, ils sont descendus chez eux. Ils sont allés habiter là-bas. Puis petit à petit, ils ont trouvé des maisons à s'habiter, à s'abriter par en bas. Et ici, ça a resté... Ils ont dû rester 4 ou 5 familles, pas plus, hein. En 1947, la guerre finie, le gouvernement français demande aux Moliérois de se prononcer soit en faveur de la France, soit de l'Italie. La France sera plébiscitée à 100%. Ils sont restés jusqu'à ce qu'après ils ont fait la route. Alors la route, elle est arrivée par là en 63, 63-64, quoi, parce que les derniers sont arrivés jusqu'au pont, après le pont, ils sont venus ici l'année d'après. Et alors là, après les derniers, pratiquement les derniers, sont partis. Et ils ont eu l'occasion de pouvoir déménager et s'amener les affaires, comme par exemple les parents de Monique, là, tout ça. Eux, ils se sont en allés en 65, je crois. 65. Et ils se sont en allés en bas. Ils avaient déjà des cousins qui avaient trouvé des maisons par en bas louées. Et ils sont partis comme ça. Et ici, il restait encore deux bergers. Il restait encore deux bergers qui sont restés jusqu'à. Là, ce que vous n'avez pas dit, c'est que depuis que le Molière est revenu français, vous n'avez plus d'électricité. En fait. Oui, alors, je vous ai expliqué, l'eau faisait marcher tout. Bon, il est arrivé le Molière qui a été brûlé, tout ça, ça a été abandonné, la turbine, bien sûr, n'a plus fonctionné, bon, il y avait la scierie, parce que la scierie était déjà abandonnée depuis avant, hein, bien longtemps avant. La turbine n'a plus fonctionné, les gens sont partis de Molière, et la turbine, elle a plus... Après, c'est venu français, en devenant français, il n'y a plus question de mettre l'électricité à Molière, il y a encore 4 ou 5 familles, je vous dis ici. Alors, ils n'ont plus fait fonctionner ça, et on n'a plus d'électricité. Et on n'a toujours pas d'électricité. Comment vous faites alors ça? Ah ben, on se débrouille ici. Maintenant, on fait avec les panneaux solaires. Beaucoup, c'est des panneaux solaires. Il y en a quelques-uns qui ont des groupes. Alors, avec les groupes, il faut même marcher la télévision, hein, aussi. Mm-hmm. Machine à laver, tout ça. Parce que, par contre, avec le solaire, on peut faire marcher... Bon, la lumière. Une bricole, hein, oui, la lumière pour les pièces. Mais après, vous ne pouvez pas faire marcher une machine à laver, hein, avec ça. Hein. Mmh. Alors, il faudrait mettre, je ne sais pas combien de panneaux pour faire comme ça. Hein. Alors, qu'on n'a plus d'électricité. Alors là, ils nous avaient promis, il y a 3 ans déjà, de nous faire un barrage plus bas, sur le chemin de Pont de Paul. Et donc maintenant, on est dans le parc. Alors bien sûr, encore dans le parc. Voilà, ça a été la fin de tout. Parce que ça, on est éliminé de toute construction, à part les constructions des ruines, oui. Mais bon... alors, ils devraient nous mettre une turbine sur le vallon de Mars, ce qui est en face là-bas. Ça, c'est promis depuis longtemps, hein. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'on verra. Soit ce barrage qu'ils devaient faire en bas, au quartier de l'Éduc. Mais ce barrage, paraît-il que quand ils le feraient, ils ont fait déclasser une partie du parc, hein, pour faire ça. Et quand il serait fait, c'est l'électricité, elle n'est pas pour venir à Molière, elle est pour aller à Nice. Ah. Alors, ça fait qu'on n'en aura pas quand même. Alors, bon. Enfin, je vous dirais qu'on se débrouille quand même, hein, pour ce qu'on vient, parce que tous ceux que vous voyez là, ils sont là. Il y en a des familles qui sont là pendant 3-4 mois. Hein, ils viennent du fin juin jusqu'au 15 octobre, par là.
Et après, ils s'en vont, hein. L'hiver, il n'y a personne. Quand ils ont du linge à laver, ben, à la fin de la semaine, ils descendent en bas, ils lavent le linge et puis ils remontent. Hein. Ouais. Hein. Et le restant, bon, la télévision, il y en a qui les ont. Hein. Ils font marcher 2-3 heures le groupe le soir. Il y en a un peu la télé. Mais si on n'a pas la télé, c'est pas grave. Hein. Mais le plus embêtant, ça doit être pour le frigo, ce genre de choses. Oui, alors les frigos, on est équipés, j'en ai un bon aussi là, ouais. On est équipés avec le gaz, comme sur les bateaux. Oui, ça, on se débrouille avec ça. Ouais. C'est pas trop grand. Non, mais on peut voir plus grand, hein. Ouais. Oui, moi j'ai des petits parce qu'on vient pas souvent, mais autrement, on peut voir plus grand. Le bon beau-frère, il y en a un qui fait trois fois celui-là. Mm-hmm. Ah, ouais. Toujours au gaz aussi. Après, le problème à Molière, c'est que il nous laisse pas reconstruire les ruines, parce que vous avez vu, c'est plein de ruines par là encore. Il ne laisse pas construire les autres maisons que où il y a déjà les ruines. Ça, c'est la direction du parc. Hein. Bon. Et alors, le problème de ces ruines, c'est que à l'époque, les parents, ils avaient une maison, ou quelques-uns d'eux, mais ils avaient 7 ou 8 enfants, alors comment ils faisaient? Ils ont donné une pièce à un, ils ont donné une pièce à l'autre. Et ça s'est dispersé. Et maintenant, ils sont tous en copropriété. Il y en a qui ne savent même pas où c'est chez eux, tellement qu'ils sont nombreux. Il y a des propriétaires de Molière qui sont en Amérique. Hein. Ça, je peux vous l'assurer. Hein. Il y en a qui sont au Canada, il y en a qui sont en Australie, il y en a même aussi. Il y en a qui sont en Chine. Alors, vous voyez, ils ne savent même pas où c'est qu'ils sont chez eux. Ils savent qu'ils sont originaires d'ici, mais bon. Et comment vous allez acheter une ruine? Quand vous n'avez pas le notaire, il ne vous fait pas des papiers si vous avez, s'il n'a pas le nom des propriétaires. Hein. Ouais. En plus de ça, il y a aussi des papiers qui se sont brûlés pendant l'incendie, qu'ils avaient là. Alors, il y a des gens qui se trouvent avec des maisons qui savent qu'ils sont à eux, mais ils n'ont même plus de papiers. C'est ça le gros problème. Et ils ne laissent pas remonter le village en entier. Et, c'est-à-dire, ils ne donnent pas de permis autre autour du village sans que les ruines soient remontées. Bon, la fête du 15 août de Molière. Alors, la fête du 15 août de Molière, c'est une fête qui s'est toujours faite à Molière. Moi, depuis mon grand-père, il faisait déjà la fête. À l'époque, il faisait des jeux ce jour-là, c'était le jour de vraiment la fête. Hein. Il faisait des courses de sacs, il faisait le mât de cocagne, il faisait des trucs comme ça. Mais ça a bien changé alors depuis. Ça c'était avant quand ils étaient italiens, hein, quand ils étaient italiens. Non, quand ils étaient français, ça c'était une autre chose. Quand ils étaient italiens, ils faisaient la fête là. Après, Molière a brûlé. Et bien sûr, il n'y avait pas encore d'accès ici. Hein. C'était toujours par en bas. Alors, les gens sont tous partis, ils étaient restés, je vous dis, 56 familles. Et ceux-là, ils n'avaient pas envie de la fête. Hein. Parce qu'ils étaient tous mortifiés de tout ce qui leur était arrivé avec l'incendie et tout ça. Ils étaient vraiment traumatisés. Alors ils n'avaient plus fait de fête pendant X années. Hein. Et puis un beau jour, quand la route s'est ouverte, donc en 64, il y a eu un cousin, qui était un cousin à nous d'ailleurs, qui était curé, vous avez la photo de lui d'ailleurs dans l'église là-bas, qui s'appelait Don Gradia, ah, ouais. Qui était né ici. Et connaissant tous les Molérois, qui étaient déjà partis, hein, à Nice, à Villeneuve, je vous dis à Grasse, partout, Vence. Il est parti avec sa voiture, et il est venu trouver tous les Molérois, en leur disant, « Oh, maintenant, on a la route à Molière, vous venez qu'on recommence à faire la fête à Molière. » Après peut-être plus de 10 ans, hein, qu'il ne s'était pas fait la fête. Et ils l'ont écouté, puisqu'il était très connu ici, il était ami de tout le monde d'ailleurs. Et c'est lui qui a remis en marche la fête du 15 août à Molière. Mais bon, au début, je vous dis, les premiers jours de fête, moi, je me rappelle, j'étais là, ça, j'étais là. Et bon, on était une vingtaine, de 30 sur la place. Hein. Alors, la fête, c'était la messe, et puis après, bon, ils jouaient au boule sur la place. Ils jouaient au boule toute la journée, quoi. Ils mangeaient un peu ensemble, ils buvaient un coup, là, comme on a fait aujourd'hui, l'apéritif, voilà. Ça, c'était la... Mais après, donc, ça a pris de l'ampleur, il est arrivé l'association. Alors, l'association, eux, ils ont commencé à vouloir faire, ils ont formé le bureau. Étaient, à l'époque, ils étaient une quinzaine au bureau, les premiers qu'ils ont fait l'association. Et de là, ils ont commencé à dire, oh ben, si on faisait un repas et qu'on se faisait payer, il faudrait quelques sous pour arranger quelque chose à Molière. Et c'est vrai que c'est comme ça que ça démarrait après, en faisant la corante, en faisant cuire les moutons, parce qu'à l'époque, au début, ils faisaient cuire les moutons. Maintenant, ils ne peuvent plus parce qu'ils sont plus nombreux à faire ça. Et donc, c'est reparti comme ça. Depuis que... Au XIIIe siècle s'installent des moines lombards qui s'intègrent très bien à la population et qui ne quitteront le village qu'au XVIIIe siècle. Dans les années 1600, ils décident d'agrandir et de restaurer l'église et durant l'été 1647, ils élèvent le clocher. Mon père, comment elle s'appelle cette chapelle ? Bien, elle s'appelle, c'était l'église du village à l'époque. Hein. Elle s'appelle donc, elle est sous le patronage de,
Notre-Dame de l'Assomption. Nous fêtons donc ce jour-là la fête avec une messe solennelle, une procession à l'extérieur. Et nous allons d'ailleurs au cimetière nous rappeler aussi des anciens qui nous ont donné cette foi. D'accord. Tout ce qu'il y a là, c'est... Alors, tout ce qu'il y a là, il y a une association qui s'occupe d'un peu de maintenir un peu la restauration. Hein. Alors, c'est eux qui ont fait les vitraux il y a quelques années. Ils ont restauré les peintures eux-mêmes. L'association est très active. Et cette année, ils ont fait les canons, les trois canons. Vous voyez les trois cartons qui sont là. Ils ont redoré. Hein. Redoré. Alors ici, après, vous avez le tableau central qui représente Marie, bon, qui monte au ciel, qui est portée par les anges. Et en bas, vous avez certainement d'abord Saint-Sébastien sur la gauche, un martyr. Et puis, je ne sais pas exactement le personnage qui tend les bras, qui ouvre les bras en bas. Et ça, ça a été rajouté après l'incendie ? Tout ça, ou ça a été récupéré? Je pense que tout n'a pas peut-être été brûlé quand même. Hein. Le village était brûlé, mais je pense que même à l'époque, on respectait quand même le lieu. Hein. Il y a beaucoup d'églises qui ont brûlé quand même à la libération. Hein. Ici, vous avez Saint-Antoine l'Ermite avec son cochon. Et ici, vous avez Saint-Roch, qui est un grand patron du milieu rural. Hein. Saint-Roch qui a guéri de la lèpre. Voilà, et alors cette statue qui est toute en bois, hein, qui est finement sculptée, nous la sortons en procession le jour de la fête de l'Assomption, le 15 août. Rajoutons également que l'ancienne cloche du clocher que les combats de 1944 avaient criblé de balles et qui ne pouvait être réparée fut refondue et réinstallée en septembre 1984. Voilà, vous voyez l'église là ? Et l'église. Regarde. Jean-Pierre, alors ici on est dans le four communal du village. Tout à fait. Et c'est le four qui date de l'origine du village ? Oh, certainement, oui. Certainement. Il a été restauré récemment ? Il a été restauré, oui, ça fait à peu près 3-4 ans qu'il a été restauré. Mais de manière à pouvoir s'en servir correctement. Quoi. Parce qu'il y avait le fond qui était usé. Et donc le fond a été refait, plus la cape pour avaler la fumée. De manière ne pas prendre toute la fumée dans le visage. Et à l'époque, ce four, qui est toujours le four communal, servait à faire le pain. Pour tout le village, et chacun venait faire le pain à tour de rôle. Et là, vous le remettez en action que pour les festivités ou... Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, ça peut servir à n'importe qui, hein, puisque c'est le four communal. Et nous le mettons vraiment en action. Le 15 août, bien sûr, pour une fête comme aujourd'hui aussi. Mais ça peut. Tout un chacun peut venir au four, hein, se servir du four. Monsieur l'oncle, hein? Alors. La piste qui mène à Molière a été réalisée, enfin, c'est votre beau-père qui a poussé à la réalisation de cette piste. La réalisation, oui. Oui, oui. Avec le maire de Val-de-Blanc, hein? Oui. Comment il s'appelait? Monsieur Richier. Monsieur Richier. Oui. Et. Ils ont fait la piste en 2 ans, non? Un an ou un mois? Moi, je m'en dis que c'était dans un mois. Ça a été non, un mois, c'est un peu rapide. Ah oui, mais il y avait 5 bulldozers. Hein. Ah. 5 gros bulles. Hein. Ils ont monté un bulle qui était tout démonté. Mais par la suite, il y a eu des mélèzes qu'ils ont poussées, des épicéas. Tout le long de la route, c'était des nouveaux et ça arbres. Fait des... Moi, j'ai remarqué ça hier. On traverse tout dans les forêts, là. Ah, c'est magnifique, on se croit dans le film, dans un film, c'est vrai. Les routes sont souvent entourées de pierres, de rochers. Si. Donc du coup, ça ne peut pas être vendu. Non, alors, ben voilà, oui. Alors, ça c'est une question de...
Ça appartient aux Italiens ou pas? Hein, entre France et Italie, oui, oui. Et oui, parce qu'ils n'arrivent pas à... Comme c'est au domaine, ça. Alors bon... Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour faire quoi que ce soit, d'en faire... Parce qu'ils voudraient faire un gîte pour l'hiver. Parce que l'hiver, il y a plein de gens qui passent par là, hein, qui vont soit ski de fond, soit malades. Et ça serait bien si quelqu'un qui serait intéressé pour se mettre là, à s'occuper de ça. Mais bon, c'est toujours comme ça.